en discussion depuis plusieurs jours avec le FC Bruges pour le recrutement de son joueur Anthony Limbombé. Le FC Nantes annonce ce mardi avoir trouvé un accord financier avec le club belge. Pour autant, l'arrivée du milieu belge n'est pas encore officielle. Elle reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants, précise le club du président Valdemar Quitta dans un communiqué. Le @Nantes et @ClubRuges ont trouvé ce jour un accord financier pour le transfert d'Anthony Limbombé. Cependant, la validité de cet accord reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants. On vous informe au plus vite. pic.twitter.com/@RLQ3KJ, FC Nantes @Nantes, August 21, 2018. Le transfert, s'il se concrétise bel et bien, pourrait dépasser les 7 millions d'euros. Ce qui en ferait la recrue la plus chère de l'histoire des Canaries. Âgé de 24 ans, Anthony Limbombé est un milieu vif et percutant ayant l'habitude d'évoluer côté gauche voire côté droit. International belge, une sélection, il jouait depuis l'été 2016 au FC Bruges avec lequel il a remporté le championnat la saison dernière. Il avait alors inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives. Anthony Limbombé serait la 6e recrue des Nantais désormais coachée par Miguel Cardozo.